je note trois points. Le premier, c'est que cette cartographie et la typologie qui en est faite, en fait, croisent des thématiques, des localisations géographiques et dans un second temps, les statuts et les types de dispositifs que les acteurs peuvent proposer. En fait, c'est intéressant parce que ça permet de faire émerger peut-être des acteurs qui ne seraient pas spontanément venus à l'esprit. Je pense notamment à la forte représentation de tous les acteurs liés au patrimoine naturel. Deuxième point, c'est que cette cartographie, elle marque aussi des tendances. Je vais l'illustrer avec deux exemples. D'abord, historiquement et sur ses premières années d'existence, l'OCIM était très orientée vers les musées d'histoire naturelle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que la cartographie, elle est exhaustive ou quasiment exhaustive en les recensant tous. Deuxième exemple, c'est justement cette catégorie de patrimoine naturel qui regroupe aussi bien les parcs naturels régionaux que les acteurs de l'éducation à l'environnement. En fait, c'est intéressant parce que ce sujet a été particulièrement prégnant et mobilisateur dans les années 2000-2010. Et c'est aussi l'intérêt de cette cartographie de marquer des tendances qui ont mobilisé, fédéré des acteurs à des périodes. Le troisième point, et là je vais prendre un peu la casquette ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est qu'il y a peut-être un secteur qui est sous-représenté, c'est celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui regroupe pourtant plusieurs catégories qu'on retrouve dans la cartographie de l'OCIM. Ce point n'est pas absent, mais il est peut-être à développer. Donc en fait, la labellisation « Science avec et pour la société » portée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche implique et oblige à des partenariats entre les acteurs afin de structurer un réseau territorial. C'est même un des critères majeurs pour avoir cette labellisation. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue du ministère, chaque acteur est important par ses spécificités de médiation, par son histoire, par son ancrage territorial, par les publics qu'il peut toucher. Donc chaque acteur est important et ce qui nous importe, c'est justement de créer des conditions de partenariat entre tous ces acteurs pour qu'ils amènent chacun leur expertise. Donc tous sont importants et tous sont importants dans leurs spécificités. La politique publique, qui est le dialogue entre la science et la société, qui est donc porté par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, englobe tout à la fois la culture scientifique, technique et industrielle, son développement, son acculturation, son appropriation, afin d'éclairer le débat public et la prise de décision politique. C'est aussi le développement de l'esprit critique, qui doit apprendre à considérer plusieurs points de vue pour se construire un avis basé sur des faits. Cet avis doit se baser sur des informations scientifiques, de qualité, vérifiée, mais qu'on intègre aussi dans une démarche scientifique. Comment on arrive à ces faits? Aujourd'hui, on voit que ça demeure un fondamental dans notre société. On a traversé une crise Covid qui a beaucoup interrogé la place des chercheurs. Qu'est-ce qu'un résultat de recherche? Quel est le temps nécessaire à produire de la recherche? Et ce dialogue entre sociétés, il veut vraiment s'inscrire dans les conditions d'un dialogue. Pour ce faire, il faut aller au-devant des citoyens. Et c'est là, par exemple, un des enjeux des recherches participatives, mais aussi de la participation citoyenne à la recherche. Il faut aussi améliorer, en fait, les conditions de partage, de diffusion, de médiation autour des résultats de la recherche et mieux expliciter la démarche de recherche pour aussi clarifier les réticences, mettre à bas des préjugés et en touchant toute la société dans toutes ses compositions citoyennes. Aujourd'hui, on fait une focale assez importante sur les élus et les décideurs politiques parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un vrai besoin d'accroître leur culture scientifique, mais aussi les publics empêchés, les publics éloignés. En tout cas, la société dans toutes ses composantes doit être ciblée. On l'aura compris, le défi, en fait, c'est de passer de la diffusion et du partage d'une culture scientifique à créer les conditions de ce dialogue entre la science et la société. C'est une évolution qui est majeure, on est sur un changement de modèle, changement de paradigme. Et pour ce faire, nous, pour réussir ce défi, on y voit trois conditions. D'abord, il faut que ce modèle reste flexible, il reste ouvert pour permettre d'intégrer, d'identifier des nouvelles approches de médiation, des nouvelles modalités qui vont permettre de rapprocher scientifiques et citoyens. Donc le périmètre n'est pas figé, il doit rester souple et flexible. La deuxième condition, c'est qu'il faut considérer la pluralité et la polysémie tant de la science et de la recherche que de la société et de sa pluralité, de sa polysémie. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il faut, dans ce modèle du dialogue entre science et société, aller toujours au plus près, déplacer le centre de gravité vers les citoyens, vers leurs questionnements,
pour identifier ensemble les grandes questions de demain. Et c'est uniquement quand ce dialogue s'écoutera dans cette réciprocité qu'on pourra vraiment parler d'un dialogue entre sciences et sociétés.